pour faire des chèvres panées. Désolée pour ma voix, je suis malade. Pour ça, on a besoin de chèvres, d'un œuf et de chapelure. Ici, c'est de la chapelure Ponko, mais n'importe laquelle fera l'affaire. Première étape, on vient découper notre bûche de chèvre en rondelles. J'ai battu mon œuf en omelette dans un bol. Et donc, je viens d'abord mettre ma tranche de chèvre dans l'œuf. J'enlève un peu l'excédent, je mets dans ma chapelure. Je remets dans l'œuf pour faire une deuxième paroi, pour éviter que le chèvre coule partout à la cuisson. Et pareil, c'est reparti dans la chapelure où j'essaie d'en mettre bien partout. Une fois que c'est fait, je dépose sur un plat à côté et je fais tous les autres. Une fois que chaque rondelle est prête, il suffit de mettre de l'huile à chauffer dans une poêle, les ajouter dedans et les retourner toutes les 2 minutes. Et voici, cette vidéo est déjà prête, je vous jure que c'est délicieux. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye !